Madame la maire, chère Catherine, mes chers collègues élus et aussi dans l'assistance, chers tous, Anne, tu as tout expliqué parfaitement. Ce que je voulais peut-être juste vous préciser, c'est que les différents projets sont présentés à l'intérieur de la Maison des associations. Il y a une exposition qui présente un petit peu plus en détail les projets que la présentation qu'il peut y avoir dans le bulletin. Cette présentation un petit peu plus exhaustive, on la trouve aussi sur le site internet qui s'appelle budgetparticipatif.paris.fr. Vous avez d'ores et déjà la possibilité d'aller regarder ces projets pour commencer à vous faire un peu une idée de vos intentions de vote. Il n'y a pas de sondage encore sur les intentions de vote pour ce budget participatif. Mais vous pouvez quand même commencer à regarder, à vous faire une idée. À partir du 24 septembre, vous pourrez voter. Comme le vote dure pendant une semaine, vous pourrez même éventuellement corriger votre vote si finalement, en y réfléchissant, vous changez d'avis ou en discutant autour de vous, parce que j'espère qu'il y aura des débats comme au moment de tout vote. Il peut y avoir des débats en famille ou au travail ou entre collègues pour savoir qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu votes.